Gracias. Fini. No, commencez. C'est le début maintenant. Très bien. Karen, y soy presidente de una asociación protectora en España. El galgo es un perro increíble. La verdad que yo no lo conocía antes de estar en la protectora y hay mucho desconocimiento. La gente piensa que es un animal solamente de caza, una herramienta más. Soy Eugenia y soy voluntaria de una protectora, la cual no digo el nombre porque hay muchos galgos y en este país hasta en las protectoras roban galgos, que era una perrera donde se sacrificaba perros, lo cual aún me pone los pelos de punta, y por eso se hizo protectora, con todos voluntarios y llevamos pues eso, unos 10 años. Aparte de nuestro trabajo, nuestra familia, pues dedicamos casi todo el tiempo que nos queda a estar en la protectora y ayudar a todos los animales que hay aquí. Dans deux mois, deux mastines là, entre chiens là, en total, je pense, six chiens. Incroyable. Il manque toutes les zones de chip et tout ça, et beaucoup de peau. On pense avec la police que c'était victime de sparring, de préparation pour le combat. Hay gente que dice que lo quiere mucho, que ama mucho a su perro, sin embargo lo abandona o lo deja cuando ya no le sirve. Vemos muchos galgos entrar ciegos, con las patas rotas, con un dedo roto o con sarna, con leishmania. En cuanto que enferme, no lo quiero. No lo quiero porque ya no me sirve, pero lo quiero mucho. Es lo que dicen bastante gente. Algunas veces son para correr, para carreras, y otras veces es para la caza. Los galgueros los valoran mucho, se crían, se busca una cría perfecta. Igual que cuando un galgo no hace lo que quiere el galguero, cuando caza de una forma sucia, el galguero quiere castigarlo en ciertos casos. Castigarlo pues con un sufrimiento, una muerte para nosotros que es sufrimiento puro. Aller chercher les chiens et chercher une adoption, normalement on comprend très bien. Et ce n'est pas nous qui avons fait tous les protocoles de police et tout ça, c'est la police ou la mariée. Donc nous avons une bonne relation avec les gens. Donc normalement il y a beaucoup de galgos dans la rue, il y a un type de cage. Dans les bâtiments, c'est tout fermé et les galgos sont dedans tout le temps, ouais. Dans un type de cage. Et là-bas aussi.
ta maison, c'est plein de chiens. Nosotros hemos encontrado galgos ahorcados en árboles, hemos encontrado quemados, también atropellados, porque cuando se abandona solamente se abre la puerta y se echa. Eso en los mejores casos, en los mejores casos. Los peores casos, pues ahorcados debajo de árboles, e incluso hay una práctica que se llama tocar el piano. Esto es absolutamente cruel, porque se coloca al galgo a una altura que sus dedos pueden tocar, los dedos de las patas traseras pueden tocar el suelo, y luego se ahorca, se cuelga del cuello. Y obviamente el galgo saca sus patas delanteras y empieza a moverse así. Eso tiene el nombre común entre galgueros de tocar el piano. Es brutal, porque la muerte tarda. La muerte son 7-8 horas. Y es una forma de matar a tu herramienta castigándolo. La cultura de la caza en España es esencial para la economía, está muy bien considerada en la sociedad. Estamos luchando para que se comprenda que si una persona quiere cazar o quiere incluso pelear o quiere criar, que lo haga él, que no lo haga el perro. O sea, no hace falta que cojas un animal para que haga lo que tú no puedes hacer. En España la caza está muy valorada, incluso por las autoridades, y por la ley está muy protegida. Entonces aquí tenemos una lucha para que el ciudadano empiece a entender que eso no está bien, usar un animal para cazar cuando en otros países eso ya está erradicado. Hay movimientos intentando hacer ver y concienciar a la gente, pero no está muy, muy bien organizado. La verdad que pienso que los cazadores están mejor organizados. Cuando hay un enfrentamiento, se ve que hay mucha más unión entre cazadores que entre protectoras. Y eso es muy triste, porque deberíamos de unirnos mejor para luchar, porque al final y al cabo estamos todos luchando por lo mismo, pero todavía no estamos suficientemente unidos. Nuestra misión es proteger, entonces es lo que tenemos que hacer siempre. Y yo creo que lo llevamos muy dentro, que tenemos que proteger. Creo que hemos ayudado a unos 3.000 en total. Cada mes una media de 50 perros y gatos de todos tipos. A veces, pocas veces los recogen los dueños. La mayoría de las veces tenemos que buscarle otra adopción, otro hogar nuevo. Y muchas veces nos alegramos porque vemos cómo llegan. Y decimos, pues ya eres nuestro y ya tienes una segunda oportunidad y tienes la posibilidad de tener una buena vida digna y también una muerte digna. Pues aquí hay de todas las razas. Hay muchos mestizos, pero también algunas veces abandonan de razas. Hemos tenido, bueno, sobre todo galgos, pero hemos tenido boxer, yorkshire, de caza, bastantes bretones, pero hay muchos mestizos. Y lo que hay es muchos categorizados en Francia y aquí perros potencialmente peligrosos. Hay muchos, porque además salen muy poco adoptados. Toma.
lo típico, está en la calle, tiene miedo, está desorientado. Siempre volví al mismo sitio, que a mí me hace pensar que fue justo donde fue abandonado. Sabíamos que era de una raza que se considera peligrosa, pero sabemos también que el peligroso es el hombre, y en todos estos años no hemos tenido recogidas conflictivas. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Vamos, Pepe. Vamos, eres precioso. Eres precioso. Guapo. Maintenant, il reste ici, il n'y a pas de plus, et en 7 jours, il est à nous, et donc on peut chercher une adoption. Mais c'est compliqué pour sa race. Il y a des pays que ce n'est pas possible d'adopter, mais il faut voir sa race exacte et le permis pour voyager, aller au peut-être en adoption locale, nationale. Adolfo! Madre mía, ¿hace cuánto tiempo? Pues hay adopciones en España, pero muchísimas son fuera. De hecho, pues fundamentalmente Karen, que la conoceréis, y yo somos las que llevamos las adopciones internacionales. Entonces llevamos por Francia, hay muchas asociaciones en Francia, Galgos en Famille, Galgos, hay muchas ahora decirlas todas, en Italia con Galia, en Holanda con Galgo Proye, en Reino Unido, incluso algunos han viajado a Estados Unidos, alguna Podenca Canadá, para evitar estos documentos se hacen para que no haya exportaciones de perros ilegalmente. Entonces todos van trazados con su documento, su número de chip, y lo hace aquí la oficina pública y local de veterinarios. No voy a decir muchas asociaciones, quizá en Francia, pero todas las que tenemos son de muchísima confianza. Todas han venido aquí, nosotros incluso algunas veces cuando hemos ido de nuestro viaje de verano hemos ido a visitarles. Tenemos plena confianza y que los perros van a estar muy bien porque siguen exactamente el mismo protocolo que hacemos aquí. Por ejemplo, aquí todos los perros que salen adoptados tienen que tener un protocolo veterinario, el cual consiste pues en que van chipados, pasaporte, vacunas de rabia, vacunas de enfermedades, vacunas de tos de perreras también, castrados, que es fundamental porque hay muchísimo abandono y muchas camadas indeseadas. Hola, soy Marta, soy veterinaria y llevo pues desde que la protectora empezó hace 10 años llevando pues toda la los animales que allí llegan, que se operan, que llegan con sus problemas, y estoy trabajando con ellos pues desde sus inicios. Todos los animales que nos trae la protectora se esterilizan para luego viajar en adopción siempre pues esterilizados. Por un animal que no se va a destinar a criar, su estado normal es mucho mejor castrado. Amputaciones también de rabo, luego otros también pues llegan con a lo mejor heridas de haber estado atados durante mucho tiempo, tanto en el cuello como en las extremidades, pero lo más frecuente son las esterilizaciones, eso es a diario. Pues la verdad que en la evolución en estos 10 años se siguen abandonando muchísimos animales. Los galgos son como más estacionales, ¿no? Cuando acaba la temporada de caza o cuando ya se acaba su temporada de productividad es cuando más los abandonan, cuando ya ven que no les sirven, pero durante todo el año es que es una cantidad de abandonos y tremendo. En nuestro refugio todos los animales tienen nombre y son conocidos por nosotros, no son números,
no son animales desconocidos, los conocemos, sabemos cómo son y forman parte de nuestra familia. Y sabemos que cuando se van en adopción y se adaptan muy bien, es porque dentro de nuestro refugio, aunque sea un lugar viejo, en mal estado, frío en invierno, caluroso en verano, es para ellos un tipo de hogar. Entonces les damos la sensación de que están en su casa. Llevaremos quizá más de 4.000 o 5.000 adopciones en estos años. A veces. Entonces hay veces que te planteas, ¿cómo invierto yo toda mi vida en esto que me queda de tiempo libre con el trabajo que es? Pero los conoces y es imposible dejarlo. Y cuando los ves en su casa, has adoptado, su familia, te mandan fotos, es imposible. Es que no es un pasatiempo, no es un voluntariado normal. Yo creo que es una satisfacción enorme. No podemos seguir cogiendo perros y abandonando, cogiendo y abandonando, porque las protectoras se cargan de perros. Pues yo entiendo que todo el mundo quiere un animal de raza, todo el mundo quiere un cachorrito, pero también hay que ver las ventajas que tiene ya adoptar un animal adulto. Ver lo agradecido que puede ser un animal adoptado adulto con la familia que lo acoge. Es increíble. En general, creo que algo está cambiando. Entonces, mientras que no vayamos para atrás, que da igual el ritmo. Hay que siempre, paso a paso, ir hacia adelante. Sin embargo, obviamente hay grupos que no van a cambiar nunca, que se niegan a ver lo que nosotros sentimos y vemos a diario. Hace, por ejemplo, 7 años o incluso menos, era imposible ir por la calle y ver que alguien llevaba un galgo paseando adoptado. Era imposible. Y ahora se hace. Entonces creo que la sociedad algo está cambiando. Porque esto nos hacía ver como un país en vías de desarrollo, no un país civilizado y que perteneciente a la Unión Europea. Creo que estamos cambiando por fin algo. Entonces yo no me explico cómo puede ser que tenemos aquí un tesoro, se ve como un diamante. Y aquí se ve como una piedra. Sí, sí, la esperanza está aquí y creo que todos aportamos un poquito a que haya más esperanza. Je m'appelle Cyril, je suis le vice-président de l'association Galgo sans famille. Je suis dans l'association depuis 5 ans et membre du bureau depuis un an. Alors là, c'est vrai qu'on est à une heure très tardive pour un arrivage d'Espagne d'ici une demi-heure. Donc il y a 5 chiens qui arrivent sur cette aire de repos, dont une Galga. Et après, moi je reprends la route pour monter sur Lyon pour un arrivage de 8 chiens. Une association qui est là pour sauver les lévriers en Espagne, dont le nom de Galgo sans famille. C'est des chiens qui sont martyrisés après la chasse et qui ne servent plus du tout à l'âge de 2 ans. Ils sont dans des cages et ils attendent qu'en fait ils attendent leur mort, quoi, on va dire. Hein. C'est des chiens martyrs, quoi. C'est horrible. En France, on n'a pas de refuge. Donc nous, les chiens, quand ils arrivent en France, c'est qu'ils ont été adoptés. En sachant qu'un chien chez nous arrive en France stérilisé, pucé, avec le passeport européen. Mais bon, après, c'est vrai que les chiens traumatisés, ben, ils mettent du temps à s'adapter. Mais une fois qu'ils sont adaptés, ils se font la vie avec leur nouveau maître. Et quand on voit que les chiens progressent, moi j'en possède deux. Donc une qui est traumatisée, qui ça fait 3 ans que je l'ai, qui commence seulement à... on va dire à se détendre.
L'association, donc, elle sert à récolter des dons pour tout ce qui est adoption. En sachant que nous, quand on fait adopter un chien, c'est la partie, elle va surtout au refuge, elle ne rentre pas dans l'association. Donc nous, l'association, elle tourne avec des manifestations, donc tout ce qui était des rassemblements, les vides-greniers qu'on faisait jusqu'à maintenant, vu que maintenant il y a le contexte du Covid, donc on ne peut pas. L'année dernière, on a eu une aide de lunch, donc, qui a pu nous permettre de partir en Espagne avec 3 camions remplis de croquettes. Donc en sachant qu'on est parti avec plus de 5 tonnes de croquettes l'année dernière sur les refuges en Espagne. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des refuges, ils n'ont aucune aide de l'État. Que nous, en France, on a les SPA, tout ça, et qu'on les aide. On va dire depuis que moi je suis rentré dans l'association, on est à plus de 300 chiens environ. Je déteste qu'on fasse du mal aux chiens, c'est comme un être humain. D'ailleurs on les appelle les chiens martyrs, hein, c'est pas pour rien. Donc ça me dépite un peu donc, de cette mentalité qu'il y a en Espagne par rapport à ça. Et bon, c'est vrai qu'un lévrier là-bas c'est pas un chien de compagnie. Quoi. Alors que c'est des chiens, c'est des pattes, quoi. C'est doux, c'est calme, c'est super comme chien. Moi, c'est Christelle, j'ai 37 ans. J'ai repris l'association donc, en janvier 2020. Donc là, on est chez moi, au siège de l'association. C'est une association de sauvetage des lévriers espagnols, donc tout ce qui va être galgo podenco, parce que le podenco est aussi donc, un cousin du lévrier. Et en fait, on ne pouvait pas juste diffuser des galgos et des podencos, donc on diffuse aussi tous les autres chiens des refuges partenaires. Donc en fait, le refuge nous envoie des fiches donc par internet, hein, sur notre boîte mail, du descriptif du chien, avec les photos et éventuellement certaines vidéos s'ils en ont déjà tourné, donc tout en espagnol. J'ai une bénévole qui les traduit et qui les met sur Google Drive pour que les deux autres bénévoles puissent prendre cette fiche et diffuser sur les différents sites sur lesquels on partage. Donc il y a notre site officiel, galgosansfamille.com, et on est aussi sur secondechance.org et sur Wamis. Ils sont bien parce qu'en fait, quand ils passent déjà par la case du refuge, nous, il faut qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir voyager. Ça ne veut pas forcément dire pas de maladie, puisqu'on fait adopter des chiens avec la leishmaniose, mais c'est qu'ils soient en état physique de pouvoir supporter le voyage. Donc les chiens, quand ils arrivent blessés au refuge, on attend de les soigner avant de les diffuser. Après, c'est juste le côté psychologique. On arrive sur des chiens qui sont des grands traumas. Donc là, on sélectionne encore plus la famille. Il faut que ce soit des gens qui soient vraiment très patients, voire habitués au trauma, pour pouvoir accompagner l'animal, en fait, et lui faire perdre ses peurs, lui donner reconfiance en l'homme. Et ça, on ne peut pas le confier à un primo-adoptant qui n'a jamais eu de chien auparavant. Lolo, son histoire, c'est qu'on faisait un voyage en Espagne, donc le tour des refuges, et Lolo était dans un refuge très petit, vraiment très petit, où le box n'était vraiment pas adapté pour lui, vraiment très petit. Donc c'était convenu à l'époque qu'on le récupère pour le mettre en famille d'accueil jusqu'à lui trouver une famille. Comme on l'a récupéré pendant le premier jour de notre voyage, il a passé toute la semaine avec nous, et au moment où on devait le poser à la famille d'accueil, mon papa s'est effondré en larmes. Et il ne pensait pas avoir eu un tel coup de cœur.
Il est revenu à la maison et ma mère a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est Lolo, mais c'est Lolo, mais j'en peux plus. » Et en fait, ma maman, elle est retournée à la famille d'accueil, elle a récupéré le chien et est restée dans la famille. Viens là, viens. On m'avait dit, enfin je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit qu'en Espagne, les chiens noirs, c'était des diables. Donc ils étaient plus maltraités que les chiens bringés ou quoi que ce soit. Et moi, j'adore les chiens noirs. J'avais des chiens noirs. Et j'ai craqué sur son regard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lolo, quand on le sortait, il voulait jouer avec d'autres chiens. Et du coup, on a trouvé Jana. Donc ça l'a bien aidé à Lolo parce qu'il s'est mis à jouer. Elle, ça l'a un petit peu détendu, le fait d'avoir un autre chien. Et il lui a montré quand même pas mal de choses. Et elle s'est sentie un peu rassurée. Le trauma, c'est un chien qui va faire 3 pas en avant, 2 en arrière. C'est des chiens qui ont vécu des traumatismes. Ce n'est pas le type de chien à donner la patte, à faire le beau ou choses comme ça. C'est vraiment un chien qu'on appelle le chien chat, qui est plutôt à se prélasser sur un canapé. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils n'ont pas énormément besoin de courir pendant des heures et des heures. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, ils courent 10 minutes et après ils sont fatigués. Donc pour ça, on a une petite liste de comportementalistes qu'on peut donner aux adoptants pour se diriger vers des professionnels et travailler avec eux pour que le chien puisse s'adapter au mieux. Donc là, c'était donc Aurélie, l'adoptante d'Oliver, qui maintenant me gère les mails. En fait, son chien s'était enfui. Donc du coup, on était en train d'installer la cage donc avec Annie, une amie. Et Oliver, lui, on l'a attrapé la nuit, en fait. Alors nous, on essaye de rameuter le maximum de bénévoles pour pouvoir faire de l'affichage. Parce que plus il y a de l'affichage, plus on a des chances d'avoir un visuel et de déterminer l'endroit où elle se trouve. Et après, on tourne sur le terrain et on met en place la routine de nourriture et la capture. On met quelques jours suivant le chien. On avance petit à petit la gamelle jusqu'au fond pour que le jour où elle est après la trappe, on arme la cage pour la capturer. Il rentre, il ressort sans déclencher parce qu'il n'avait pas marché sur la trappe. Et après, il est rentré. Et c'est là que ça s'est déclenché après, quoi. Il y a 2-3 ans, on faisait 120-130 adoptions à l'année. L'année dernière, nous, on était à 230. Donc on a de plus en plus de demandes de « moi, je ne veux pas passer par un éleveur, je veux sauver un chien qui est en refuge et lui donner une seconde chance. » Un animal en refuge va vous le donner au centuple parce que vous l'avez sauvé d'un endroit. Donc en fait, lui, il va vous donner sans retenue en fait, tout l'amour qu'il a et du coup, il vous le rend bien. On a toujours envie de se dire qu'il y a de l'espoir. On espère que l'humain, quelque part, dans sa grande bonté, va réagir. Mais après, voilà, on espère maintenant, il faudrait que les choses concrètes soient faites. Le galgo, pourquoi ? Bah, mettre l'accent sur le fait que c'est des tortures, c'est des choses comme ça qu'il faudrait arrêter au niveau du gouvernement espagnol. Ce type de pratique doit être aboli. Mais après, pourquoi un chien plutôt qu'un autre ? Non, laissez parler votre cœur, en fait. Tout simplement.